la chambre. Vous pouvez amener Monsieur Mahamat Togoy Ali devant la barre. Je m'excuse, hein, prenez place s'il vous plaît. Bien, Monsieur Mahamat Togoy, voilà la décision que la Chambre a prise en ce qui concerne les faits qui vous concernent. La Chambre, statuant publiquement contradictoirement en matière correctionnelle, déclare Mahamat Togoy Ali coupable des faits qui lui sont reprochés. En conséquence, vous condamne la peine de 5 mois d'emprisonnement. Confirme le mandat de dépôt qui a été décerné à votre égard. Voilà la décision qui a été rendue. Donc, vous pouvez l'amener. Bien, nous allons poursuivre la tâche qui a été commencée et nous allons faire entrer le témoin. Bien, Monsieur Mahamat
Nous allons poursuivre le débat que nous avions entrepris avec la Défense. Très bien. Et vous prions donc de vous soumettre aux questions de la Défense. Très bien. Merci donc, Monsieur le Président. Monsieur Abakar, vous êtes donc un témoin de contexte. Je voudrais vous demander un peu de nous éclairer sur le contexte d'audition des directeurs et responsables de la DDS qui ont lancé leurs accusations gratuites sur M. le Président Hissène Habré. Est-ce que ils étaient déjà réhabilité, entre guillemets, c'est une expression que vous avez utilisée vous-même hier, à savoir que certains agents et responsables de la DDS avaient très tôt été réhabilités. Alors je voudrais savoir dans quel contexte ces messieurs, Saleh Younous, Mahamad El Djibril, Abou Ghren et compagnie, ont fait leur déposition. Étaient-ils déjà inquiétés? Y avait-il des procédures pendantes ou des procédures qui étaient en cours en 91-92? Oui. La DDS compte beaucoup d'agents. Mais nous, nous sommes limités aux grands responsables, les directeurs, les chefs de service. Saleh Younous, après la chute du régime, je crois qu'il a regagné N'Djamena et travaillé, si ma mémoire est bonne, dans les postes. Lui, il n'a pas manifesté de résistance pour venir témoigner. Quant à Mahamad Djibril, lui, bon, c'est le ministre de l'Intérieur qui l'a ramené, je crois, du Nigeria. Il l'a hébergé chez lui. Et c'est au domicile du ministre de l'Intérieur que nous l'avons auditionné. Mais par la suite, il a recouvré toute sa liberté. Abbas Abou Ghren, je pense que c'est parmi les agents qui ont été réhabilités par le nouveau régime. Donc, c'est ceux qui ont été réhabilités et qui ont commencé le travail avec le nouveau régime qui, au départ, ne voyait pas la raison de comparaître devant la commission et déposer. Jusqu'à ce que j'étais obligé de voir le président de la République, qui lui aussi s'impatientait pour avoir le rapport. Je lui dis, bon, certains agents que vous avez réhabilités précipitamment refusent de se faire auditionner. Je ne peux pas clôturer mon rapport sans leur audition. Ainsi, il a parlé à son directeur du service de sécurité qui les a exhortés à les déposer. Donc, je crois, nous, c'est une... Je suis satisfait, Monsieur le Président. Non, je la voudrais, question suivante. Je voudrais compléter. Nous ne sommes pas une commission judiciaire. C'est une commission ad hoc, extrajudiciaire. Monsieur, et nous n'avons... le témoin, une question vous a été posée dès lors que vous avez déjà répondu. Très bien. Et je pense que il faut faire abstraction des commentaires, okay, et observations qui pourront, du reste, amener le débat à s'étendre inutilement. Très bien, Monsieur le Président.
Je poursuis. Est-ce que dans ce contexte de réhabilitation de ces grands messieurs responsables qui ont eu à avouer des actes commis, qui les ont assumés, je dis dans ce contexte de réhabilitation, quel crédit ou quelle crédibilité on peut imprimer aux accusations portées sur le chef de l'État, si l'on sait que les autorités nouvellement investies en N'Djamena, eh bien, leur ont tendu la main, d'après vos propos. Quelle crédibilité. Beaucoup de ces anciens agents de la DDS nous ont donné quand même beaucoup d'informations qui nous ont été utiles et qui ont été confirmées par la documentation que nous avons trouvée à la DDS. Merci. Monsieur le Président, et ce sera l'avant-dernière question. Vous savez que le Tchad, dans cette affaire, n'a pas voulu coopérer à la procédure. Le Tchad a refusé de mettre à disposition des magistrats de la commission, ces hauts dignitaires, ces personnages que vous connaissez. Le Tchad a également refusé carrément d'exécuter les commissions rogatoires internationales. Dès lors, ces messieurs qui ont porté des accusations, qui ont déclaré avoir reçu des ordres d'arrestation, d'exécution, etc., de M. Issa Abri, qui n'ont jamais été entendus par la commission d'instruction, qui n'ont pas, à l'issue de la procédure d'information, été renvoyés et qui ne seront peut-être jamais entendus devant cette cour. Alors je dis, on a un problème technique. Comment peut-on apprécier, encore une fois, la crédibilité de telles déclarations portées contre Abré si ces gens-là n'ont été ni entendus à l'instruction, ni renvoyés, et que personne n'aura l'occasion de leur poser des questions sur la crédibilité de leur dire, de leurs accusations? Oui, je constate comme vous que le Tchad, qui a appuyé le procès de Hissène Habré, s'est rétracté par la suite. Et pour le reste, je n'ai pas de commentaire. Il appartient à la Cour d'apprécier. D'après les témoignages qui sont là, les victimes sont là. Il appartient à la Cour d'apprécier. Je n'ai pas d'autres commentaires. Merci. Ce sera la dernière question. Vous avez été magistrat. Est-ce que vous vous souvenez un peu du serment du magistrat, ou au moins de certaines des vertus qui sont cristallisées dans ce serment que vous prêtez? Est-ce que vous avez encore souvenance? C'est vrai que vous avez quitté la magistrature depuis près de 25 ans. Vous avez de vagues souvenirs?
Je n'ai pas saisi la question, vous voudrez la formuler d'une manière plus précise. Je demande si vous avez encore en tête les termes du serment que prête un magistrat, ou en tout cas les valeurs et vertus qui sont cristallisées dans cette formule de serment. J'ai été magistrat et depuis 20 ans, je me suis converti dans le métier d'avocat. L'intégrité, la vérité et mon principe sont mes principes. Ce sont mes principes. Le courage également, je pense. Dans votre déposition, vous avez dit ici, tout le monde, que finalement les magistrats tchadiens avaient abdiqué leurs responsabilités devant l'histoire et devant leur société. Vous avez dit que vous aviez un code pénal. Vous aviez un code de procédure pénale. Dans aucun de ces textes, ni dans aucun autre texte particulier sur les forces de défense et de sécurité, il n'y avait d'immunité particulière quelconque contre les agents de la DTS. Ma question, vous avez été procureur de la République. Qu'est-ce qui empêche à un procureur de la République d'agir s'il a son code pénal et son code de procédure pénale? Mais brièvement, oui, j'ai été magistrat. J'ai occupé peut-être tous les postes de la magistrature, procureur, président, conseiller à la cour, dernier poste, premier substitut du procureur général. Mais je peux dire en toute sincérité, je ne suis pas un superman. D'ailleurs, quand j'ai fini mes études en France, on discutait avec des amis, faut-il retourner, faut-il ne pas retourner, mais je pensais qu'il faut retourner, je serais plus utile à la population tchadienne. Je n'avais pas le courage, ni le pouvoir, un quelconque pouvoir, pour dire au régime de M. Habré qu'il faut appliquer le code pénal et le code de procédure pénale qui sont en vigueur. Et lui, il est... Je suis satisfait. Vous n'aviez aucun pouvoir. Vous aviez votre code pénal, votre code de procédure pénale, aucune immunité dans un texte particulier, mais vous n'avez pas agi, j'en prends. Maintenant, je pense que ce sera la dernière question avant de laisser à mes confrères le soin de prendre la suite. Vous avez parlé dans votre rapport, il y a de cela près de 23 à 25 ans, des conditions de détention dans les prisons. Est-ce que vous avez visité, 25 ans après, l'état des prisons dans la sous-région, et le Sénégal ne fait pas exception? Avez-vous eu à visiter des prisons? Non. Moi, on m'a confié une mission temporaire. J'ai fait le travail et je l'ai remis. Donc, je ne sais pas quel pouvoir encore j'ai pour aller visiter les prisons à travers l'Afrique. Je suis satisfait. Juste, Monsieur le Président, la défense souhaiterait, à la clôture de l'information, de l'instruction, de l'interrogatoire,
Vous déposez, si vous voulez, le résumé qui est là sur l'état des prisons 25 ans après donc, votre rapport en Guinée, en RDC, au Bénin, au Sénégal et autres. Vous verrez que les choses les plus partagées, pas de nourriture, pas de médicaments jusqu'à la mort. Ça, c'est Médecins sans frontières et le CICR. Alors, est-ce que vous pensez, c'est une question personnelle, un État qui a du mal à envoyer ses enfants à l'école, un État qui a des problèmes pour assister ces femmes lors de leurs accouchements, qui a des problèmes de santé, donc d'éducation. Est-ce que la priorité pour ces États-là, ce n'est pas seulement le Tchad, est-ce que la priorité pour ces États est de construire des prisons 4 étoiles? C'est une question personnelle. Vous avez été magistrat, vous êtes consultant, vous avez été avocat. Est-ce que c'est ça la priorité? Brièvement, monsieur, brièvement. Si vous ne pouvez pas répondre également. Moi, je parle de ce que je connais. Et dans le contexte où j'ai vécu, après le contexte dans lequel j'ai fait mon travail. Merci, je suis satisfait. Monsieur le Président, je vous remercie. Bien, merci. Vous pouvez toujours poursuivre. Merci. Je vous remercie, Monsieur le Président, Messieurs de la Chambre. Vous aurez constaté que je suis arrivé au pas de course, le temps étant très précieux en ce moment particulier. Monsieur Mahamat Hassan Abakar, je vous dis bonjour. Bonjour. Je me présente. Je me prénomme Mounir. Et je me nomme Balal. Je suis un des trois avocats commis d'office par cette cour, par cette chambre, pour assurer donc la défense de M. Hissène Habré. Je ne voudrais pas que ma première question paraisse hors contexte. Je voulais simplement, compte tenu de votre carrière professionnelle, vous demander une toute petite précision sur l'organisation de l'état civil au Tchad. Je m'explique. J'ai recueilli une information selon laquelle au Tchad, il n'existerait pas de nom patronymique, de nom de famille. Est-ce exact ou ai-je mal compris ou était-ce une information incomplète? Monsieur le Président, je ne vois pas les relations entre cette question et ce que j'ai fait comme travail. Donc,
Maître, est-ce que peut-être faut-il lui préciser votre pensée? Je vais en venir. J'ai reçu une information ici au niveau de Dakar d'une autorité tchadienne qui m'a tout simplement dit, lorsque je lui posais la question de savoir à la personne, bien sûr, si ceci était le prénom et cela le nom de famille, cette personne m'a répondu qu'au Tchad, les gens n'avaient pas de nom patronymique, de nom de famille, qu'elle n'avait que les prénoms, le sien d'abord, celui du père et celui du grand-père. Est-ce exact ou non? Oui, généralement les Tchadiens portent leur propre nom. Je donne mon propre exemple, Mohamed Hassan, un nom composé, puis Abakar, le prénom. D'accord. Donc Mohamed serait éventuellement le prénom de votre papa et Hassan celui de votre grand-père paternel? J'ai dit mon nom est composé, Mohamed Hassan. Tout cela m'appartient, c'est moi, Mohamed Hassan. C'est donc un nom composé, comme Mohamed Nour. Donc Mohamed Hassan, c'est mon nom. À moi, le prénom, c'est Abakar. Très bien. C'est merveilleux parce que je vais pouvoir vous appeler donc Monsieur Mohamed Hassan, tout simplement. Ma première question, c'est celle de vous demander, Monsieur Mohamed Hassan, si vous connaissez un certain Monsieur Alain Gué, Jean Baoyeux. Oui, Alain Gué, bon, c'est un. Il était un haut responsable au Tchad, il a été premier ministre, donc je le connais, mais c'est-à-dire je ne suis pas familier à lui, je le connais comme tout Tchadien responsable. Très bien, merci. Je crois que vous êtes bien placé pour cette question, elle est très précise. Dans le cadre d'une information ou d'une enquête préliminaire qui serait ouverte par les autorités de la police judiciaire ou des autorités judiciaires au Tchad, existe-t-il une disposition qui fasse obligation à l'agent enquêteur ou au juge d'instruction de demander l'appartenance ethnique de la personne qui est entendue? C'est vrai, au Tchad, à la police comme à l'instruction, on demande la coutume des partis. Vous êtes de quelle coutume? Autrement dit, de quelle ethnie? Bon. C'est vrai, de quelle coutume? Oui, de coutume Hadjaraï, ou Odaïen, ou Arabe. D'accord. J'ai bien compris, parce que c'est l'ethnie qui détermine la coutume. L'appartenance ethnique qui détermine la coutume. Très bien. Je vous ai posé la question parce que, simplement, j'ai remarqué que dans le procès-verbal de déposition témoin de M. Alain Gué Jean Baoyeux, le juge lui avait demandé son ethnie. Et lorsque j'ai posé la question à M. Baoyeux, il m'a effectivement confirmé que c'était le juge qui lui avait demandé son appartenance ethnique. En ce qui vous concerne, je n'ai pas vu cette mention. Donc le juge ne vous l'aurait pas posé, la question.
dans votre procès verbal de déposition de témoin qui vous concerne, vous, du mois d'août, je crois, si je ne m'abuse. Je n'ai pas le PV entre mes mains, je ne peux pas répondre. Alors, il est là, je vais vous le montrer, peut-être, comme ça. Voilà. Oui. Donc, le juge ne vous a pas demandé votre appartenance ethnique? Je ne me rappelle plus. D'accord. Avant de prêter serment, monsieur le juge vous a demandé si... Je vous lis textuellement ce qui est inscrit sur le procès-verbal de déposition de témoin. A comparu séparément et hors la présence de l'inculpé, le témoin s'y a prénommé, a serment préalablement prêté. Nous lui avons demandé ses noms, prénoms, âge, profession, domicile, s'il est parent ou allié des parties et à quel degré ou s'il est à leur service. Et vous avez répondu exactement ceci. Le témoin a répondu : je ne suis ni parent ni allié des inculpés. Vous confirmez cela? Oui. Très bien. Qu'en est-il des parties civiles, de toutes les parties civiles constituées dans ce procès, sans exception de toutes? Y aurait-il un lien de parenté ou une alliance quelconque avec l'une des parties civiles dans ce procès? Je ne me rappelle pas. Je ne crois pas que un proche parent se trouve parmi les parties civiles. Ou un allié? Qu'est-ce que vous entendez par allié? Au sens juridique, vous êtes juriste, vous êtes avocat, vous avez été procureur général, vous avez occupé d'autres fonctions également dans l'organigramme judiciaire. Vous devriez savoir, monsieur Mohamed Hassan. Vous avez peut-être même des fois, il vous est arrivé de poser cette question à des personnes que vous entendiez dans le cadre d'une procédure. Je n'ai pas des parents parmi les parties civiles ici. Je n'ai pas des alliés. D'accord. Auriez-vous eu des parents ou des alliés parmi les supposées victimes, mais qui ne se seraient pas ou ne se sont pas constitués partie civile dans ce procès qui nous préoccupe? Vous savez, rares sont les familles qui n'ont pas connu une disparition ou une arrestation. Donc, je veux dire que la répression a couvert tout le Tchad. Donc, si je vous suis dans votre raisonnement, il n'y aurait pas aujourd'hui un seul Tchadien dans toute la population tchadienne qui n'aurait pas une relation de parenté ou d'alliance avec au moins une victime supposée ayant fait l'objet d'exactions, de tortures ou de mise à mort. C'est bien ça, si je vous suis dans votre raisonnement. Donc vous répondez par l'affirmative ou pas? Vous avez eu des parents ou des alliés? Je répète que la terreur, l'oppression a été générale. Je ne crois pas que vous répondez à ma question. Sachez, monsieur Mohamed Hassan, que je ne suis pas là pour vous timorer, loin de là. Hein. Je n'éprouve à votre égard, soyez-en rassuré, aucun sentiment d'animosité. Ma seule préoccupation est la manifestation de la vérité et défendre M. Abré dans les meilleures conditions possibles. Bon. Vous nous disiez tantôt, je voulais vous demander, M. Mohamed Hassan, entre juin 1982 et fin décembre 1990, où vous trouviez-vous
et quelles étaient éventuellement vos activités durant cette période de 8 années, grosso modo? Je me trouve à N'Djamena en ma qualité de magistrat. De quoi exactement comme magistrat? Qu'est-ce que vous avez occupé comme... Toujours le même poste pendant 8 ans? Non, j'ai occupé plusieurs postes. Oui. J'ai commencé procureur, j'ai été président de tribunal, j'ai été conseiller à la cour mon dernier poste a été premier substitut du procureur général. D'accord. Pendant cette période de 8 ans, donc, entre juin 82 et décembre 90, c'est ça, monsieur Mohamed Hassan? Plus précisément, je me suis intégré en 83. Donc, de 83 à décembre 90, si vous voulez rectifier ainsi. D'accord. Donc, raison pour laquelle vous dites que vous étiez magistrat pendant toute cette période. C'est bien cela. Dans votre rapport de la commission que vous présidiez, il est dit à la page 13, je cite, ce travail couvre seulement 10% des crimes du tyran Abré. Je ferme ce qu'on appelle les guillemets ou les guillemets. Est-ce à dire que le temps ne vous a pas suffi pour découvrir les autres 90% de crimes commis par le tyran M. Abré? Oui, j'ai eu à l'expliquer à la cour, je crois à maintes reprises, que ni le temps ni les moyens ne nous ont permis de faire un travail exhaustif. Beaucoup de préfectures, nous les avons visitées au pas de course. D'accord, je comprends. Vous avez travaillé en quelque sorte un peu à la va-vite, un peu dans la précipitation, si on peut dire. Juste pour les provinces. Mais tout ce que nous avons publié, nous les avons recueillis à N'Djamena et à ses alentours. D'accord. Et là, on n'a pas fait au pas de course. D'accord. Ce qui explique... Maître, il est 12h30. Je ne sais pas s'il est indiqué de prendre notre pause habituelle de 12h30 ou si vous préférez peut-être poursuivre un peu avant qu'on élève l'audience. Juste pour terminer cette question, en fait, parce que ma question était la suivante, donc 10% est une valeur mathématique. Êtes-vous d'accord avec moi, monsieur Mohamed Hassan? C'est mathématique. 10% de 100, ça fait 10. Alors, est-ce à dire, monsieur Mohamed Hassan, est-ce à dire qu'il vous aurait fallu encore 153 mois, c'est-à-dire un peu plus de 12 ans, pour charger 9 fois plus monsieur Abré et parachever ainsi votre chef-d'œuvre? Nous, c'est une estimation. Nous avons, la commission a estimé le travail fait pendant les 17 mois. Et dans les 17 mois, il faut enlever aussi 2 mois, parce que quand on était nommé, nous n'avons aucun local. Nous n'avons aucun siège. Donc il fallait retaper le siège de la DDS, il fallait les meubler, et puis il fallait aussi ramasser toutes ces papierasses et cette documentation qui traîne
en partie dans la cour. Donc, c'est vrai, personnellement, je suis convaincu que pour faire un travail sérieux, on aurait pu, ou les autorités auraient pu, alors, donner plus de temps, 4, 5 ans, 6 ans, pour vraiment voir d'une manière approfondie le sujet. Je vous le concède, Monsieur Mahamad Hassan, je vous le concède 1000 fois. Vous auriez dû commencer, si j'ai bien compris, votre mission le 1er janvier, grosso modo, et vous n'avez pu démarrer votre mission que 2 mois plus tard, c'est-à-dire le 1er mars. C'est bien ça. Alors je vous le concède et nous allons enlever ces 2 mois. Auquel cas, il ne vous aurait plus fallu 153 mois, mais 137 mois, c'est-à-dire un peu plus de 10 ans, pour charger 9 fois plus M. Abré pour parachever votre chef-d'œuvre. J'insiste. Une réponse claire, pas une estimation. On n'est pas là pour faire des estimations, M. Mahamad Hassan. M. Bilal, monsieur, lorsque nous avons été nommés à la tête de ces commissions, je disais tantôt que nous allions à l'aventure parce que nous ne savions pas qu'est-ce que nous allons découvrir. Le Tchad est un pays grand de 1 284 km². La commission n'a pas pu visiter des lieux importants comme Mongo, comme Mundu, comme Sar, ni Fayalarjo. Dans le Grand Nord. Laissez-moi terminer. Je vous en prie. Où des grands massacres ont eu lieu. C'est pourquoi je disais toujours, et avec remords, que nous avons fait un peu pour au pas de course pour avoir quelques idées. Ce n'est pas pour charger M. Habré, mais nous cherchons la vérité. Donc, ce n'est pas ce raisonnement. Un régime s'écroule. Les gens, beaucoup de gens, ont eu des parents, des amis, des voisins arrêtés pendant 8 ans. Et ils ne savent pas où se trouvent ces gens-là. Donc je pense que nous avons été nommés pour chercher la vérité, pour dire la vérité, et c'est là qu'on a fait. Maintenant, faut-il charger Habré, l'inquiéter? C'est les partis civils et leurs avocats qui ont le devoir. D'accord. Je comprends votre volonté de rechercher la vérité. Et surtout, j'ai noté, Monsieur Mahamad Hassan, un aspect dans votre personnalité que ce n'est pas une critique. D'ailleurs, ça pourrait constituer une louange à votre égard. Alors, si l'État tchadien avait mis à votre disposition tous les moyens techniques et logistiques, des convois d'excaveuses, des pelleteuses, vous auriez excavé et creusé 1 284 000 km². Parce que persuadé peut-être que vous, quelque part, partout, il y a des charniers. C'est votre opinion. Sur ce point particulier, Monsieur le Président, si je suis à la disposition de la Cour, si elle souhaite suspendre ou si elle estime que les débats peuvent se poursuivre, je suis entièrement à votre disposition, Monsieur le Président. Monsieur Bien, Maître, je crois que comme je l'ai dit tantôt, à l'accoutumée, nous prenions notre cours
la mi-journée à 12h30. Nous avons déjà dépassé ce temps. Je pense qu'il est opportun que nous puissions suspendre cette audience et nous retrouver à 14h comme d'habitude. Donc l'audience est suspendue jusqu'à 14h.